Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mardi, deuxième WOD de la semaine, WOD Gym en trois parties. Pour l'échauffement, comme d'habitude, on prend un petit peu de temps pour sa mobilité. Ensuite, vous allez venir faire deux tours de 10 fois un scapula push-up plus un push-up. Donc sur le scapula, on a bien les bras tendus, d'accord? C'est juste les omoplates qui se rétractent. Et sur les push-up, je descends bien tout en bas et je remonte. Vous pouvez le faire sur les genoux si vous voulez. Ensuite, 10 fois un squat. Donc sur place, je descends bien tout en bas, les pieds bien ancrés dans le sol. Et un Cossack squat de chaque côté. J'écarte mes pieds, je descends un coup à gauche, un coup à droite. D'accord, on fait ça 10 fois. Ensuite, 10 sit-ups, donc les abdos plantes de pieds collés. Et 10 bent over row, donc les tirages buste penché, buste parallèle au sol. Si vous avez un élastique, je viens tirer mon élastique. Si vous avez un halter, un kettlebell, quelque chose, d'accord, avec les deux mains en même temps. Les coudes sont bien le long du corps, d'accord. On fait deux tours là-dessus, on prend son temps, c'est chose bien. Ensuite, on attaque la gym. Donc, avant d'attaquer vraiment les blocs de gym, n'hésitez pas à vous échauffer spécifiquement sur les mouvements, ok, les mouvements que je vais présenter. 3 amarres de 10 minutes. Donc, 10 minutes maximum de tours. Le premier AMRAP, 2, 4, 6, 8, etc. Répétition, vous avez vu, on rajoute 2 répétitions à chaque fois sur 3 mouvements. HSPU, donc les handstand push-up, les pompes contre le mur. Vous pouvez vous aider les jambes, d'accord. Vous pouvez aussi les faire en strict. Pistol squat, donc les squats sur une jambe en alterné. Un coup je descends à droite, un coup je descends à gauche, etc. Attention, l'autre jambe ne touche pas le sol. Et les V-up, donc les abdominaux, vous êtes complètement allongé au sol et vous venez vous refermer en éventail. Jambes tendues, bras tendus, et je me rallonge au sol. Donc, 2 HSPU, 2 pistoles, 2 V-up, 4-4-4, 6-6-6, etc. Je rajoute 2 reps à chaque fois. Pendant 10 minutes, max de tour. Une fois que vous avez atteint vos 10 minutes, on prend 5 minutes de récup complète, d'accord, sans bouger, sans rien faire. Et on attaque le bloc suivant, donc 10 minutes à nouveau. 5, 10, 15, 20, etc. On rajoute du coup maintenant 5 répétitions à chaque fois sur nos exercices. 3 exercices à nouveau. Push-up, donc les pompes. Classique sur les pieds, sur les mains. Je descends poitrine au sol, je me redresse. Sur les genoux si vous n'êtes pas à l'aise. Squat, donc là les deux pieds au sol cette fois-ci. Squat classique, du coup les hanches qui descendent bien sous le genou à chaque fois. Et les genoux qui se déroulent bien en haut à chaque fois. Et sit-up, donc les abdos comme à l'échauffement, plante de pieds collés. Mes mains viennent bien toucher devant les pieds à l'aller et bien derrière la tête au sol également au retour, d'accord. Les mains touchent deux fois le sol. 5, 5, 5, 10, 10, 10, etc. 10 minutes max de tour. 5 minutes de récupération complète à nouveau. Et on termine par 10 minutes de burpee pull-up. Là, juste un exercice max de tour pendant 10 minutes. Donc, je ne vous cache pas qu'il faut prendre un rythme, d'accord. Pas partir trop vite. Burpee pull-up, tout simplement, vous mettez sous une barre de traction, sous quelque chose qui vous permet de faire des tractions, que ce soit une branche d'arbre, une marche d'escalier, quelque chose, d'accord. Et vous allez venir faire un burpee, donc poitrine au sol, je me redresse, et je viens faire mon traction. Je redescends, poitrine au sol, je me redresse, mon traction. Vous n'êtes pas obligé de sauter à la fin de votre burpee, d'accord. Et le but du jeu, c'est d'enchaîner un maximum de répétitions comme ça, pendant 10 minutes. Ça m'intéresse d'ailleurs de savoir combien vous allez réussir à faire burpee pull-up après tout ça. Donc, commentez-moi ça en commentaire. On a notre WOD Gym du jour. Je vous souhaite un bon WOD, un bon courage. N'hésitez pas à me solliciter par message si vous avez besoin. Et on se retrouve demain mercredi pour le prochain WOD. Petit zoom, partie, warm-up, partie, WOD. Et je vous dis à demain.